Bonjour, je m'appelle Manon Guenot, j'ai 18 ans et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon premier livre photo qui s'appelle Bearded Strangers. Alors pour parler un petit peu de moi, je suis étudiante dans une école de cinéma audiovisuel, 3IS à Elancourt. Et en ce qui concerne la photographie, ça fait un petit peu plus de 4 ans que je fais de la photo maintenant. L'année dernière que je voulais absolument faire un projet qui mêlait voyage et rencontre. Et c'est vrai que ce projet Bearded Strangers m'a vraiment permis de faire ça. Alors pour la petite anecdote, Bearded Strangers est né d'un pari. Quelques mois avant de partir en Caroline du Nord, j'ai pu voyager en Irlande. Avant de partir, une amie m'a lancé le défi de faire des selfies avec des barbus. Ce que j'ai fait, j'ai pris une dizaine de selfies avec des barbus que je ne connaissais pas. Et le concept m'a vraiment plu et c'est pour ça que j'ai décidé de refaire ça en Caroline du Nord. Et c'est au bout de 2 jours que je me suis rendu compte que je croisais des barbus tous les 3 mètres, donc c'était obligé que je fasse un vrai projet avec mon appareil photo. Alors je suis partie à la rencontre de plus d'une centaine de barbus, tous aussi incroyables les uns que les autres. Ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens du monde entier, et c'est de là qu'est né Bearded Strangers. Donc un livre sur les barbes. Alors pourquoi les barbes? Je vous avoue que je ne sais pas trop. J'ai toujours eu cet amour pour les barbes. J'adore les poils faciaux, c'est super. J'adore les barbes. Les barbes sont un symbole de masculinité, de sagesse. J'ai toujours trouvé ça intriguant. Il y a beaucoup de choses cachées derrière une barbe. Aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage à toutes ces personnes que j'ai prises en photo et qui ont accepté de passer quelques minutes avec moi juste pour une photo. Puis capturer un petit peu d'eux à ce moment-là quand je les ai rencontrées. C'est vraiment ça qui rend ce livre aussi authentique et aussi intense. C'est un livre traduit en français quand même. Donc voilà, c'est un livre photo à travers les poils, à travers les barbes, accompagné de citations positives sur les barbes, sur la vie. Ça me fait très plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes à remercier pour ce projet, sûrement trop pour cette vidéo. Mais je vais déjà faire les principaux. Je voudrais remercier déjà mes parents qui m'ont toujours soutenue. Mon frère, c'est lui qui m'a aidé à la conception du livre, donc merci Yann. Je voudrais remercier aussi Alex et Eric qui m'ont aidé pour la traduction et la correction des citations. Maya Joël et Dominique qui m'ont accueilli si chaleureusement à Asheville. Et bien sûr, je remercie Pixalib, c'est eux qui éditent mon bouquin. Donc merci pour vos conseils, votre professionnalisme, vous êtes vraiment géniaux. Vous pouvez retrouver ce livre sur pixalib.fr. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et ne vous rasez pas.